Mon prochain album Stardust From A Distance sort le 10 novembre. Il est disponible en précommande, vinyle et CD. Un clip est déjà disponible. Voilà, c'était juste pour dire ça. Bonne vidéo. Salut tout le monde, c'est Faldup et bienvenue dans cette petite vidéo complément d'enquête de Findings. Alors, si tout se passe bien, cette vidéo sera normalement postée pour Halloween, si vraiment tout se passe bien. Comme vous pouvez le voir, l'ambiance est beaucoup plus posée qu'un Findings normal, tout simplement parce que là on est en attente du Findings numéro 100, je suis en train de préparer la sortie de l'album Stardust From A Distance, et que du coup je fais plein de choses, et du coup j'avais envie de faire une petite vidéo un peu plus simple. L'iceberg des traumas de la Gen Z, c'est les vidéos que j'avais sorties durant l'été 2021, c'est une des séries de vidéos qui a le plus marqué ma chaîne. Pour moi c'était vraiment un kiff de faire cette série de vidéos, et c'était également le cas pour vous. Dans cette série de vidéos, on a parlé de toutes ces choses qu'on a vues quand on était jeune, qui nous ont marqué négativement plus tard dans la vie. Le terme trauma est utilisé de manière un peu extrême. En réalité, c'est pas vraiment des traumas, hein. Je sais, on va pas mal taper sur les doigts pour ça, mais c'était une manière un peu forte et un peu exagérée de parler du rapport à l'image important qu'on a lorsqu'on est jeune. On avait parlé de plusieurs choses, du rapport à Internet, de plein de vidéos hyper intéressantes sur Internet qu'on avait pu trouver, de passages de films qui n'étaient pas forcément destinés à terroriser des gosses, mais qui finalement l'ont fait. Pareil pour des moments dans des jeux vidéo, et au fur et à mesure de l'iceberg, on a parlé de plus en plus de trucs de niche qui ont touché peu de gens mais qui les ont touchés fortement, et vers la fin on a parlé de choses assez extrêmes. Si vous les avez pas vues, hein, c'est des vidéos dont je suis très fier. Mais le problème de faire un iceberg, c'est que peu importe le nombre de trucs que tu mets dedans, tu seras jamais vraiment exhaustif. Depuis la création de cette vidéo, je reçois très régulièrement des messages de gens qui me disent « Moi, c'est ça qui m'a marqué. » Et je vois une bonne occasion de faire de temps en temps des petits findings, compléments d'enquête, pour se rappeler ensemble de ces trucs qui nous ont marqué. Cette vidéo ne sera donc pas une vidéo qui fera très peur, je sais même pas si le format va vous parler, mais ce sera vraiment que de la nostalgie. Aussi un peu de peur, hein, vous allez voir, il y a des sujets intéressants, mais principalement, ça va juste être se souvenir et parler de trucs qui nous ont marqué. Avec un œil un peu plus adulte, ça va être assez cool. Franchement, j'aime beaucoup ce sujet-là. C'est tout simple et j'espère que ça va vous plaire. Vous me dites vraiment dans les commentaires si vous aimez ce ton plus posé et cette vidéo qui est à moitié écrite. En réalité, les sujets là dont je vais vous parler, la plupart, je vais complètement les survoler. L'inverse complet des dernières vidéos que j'ai fait où je prends un sujet et je parle de toutes ses facettes. Là, on va vraiment survoler des sujets. J'ai divisé la vidéo en parties, en de grands axes, et dedans, il y aura plein de mini-sujets que j'ai oublié de mentionner dans cet iceberg. Peut-être qu'un jour je referai un complément d'enquête si d'autres trucs viendront à l'esprit. Et je sais qu'il y aura d'autres trucs qui viendront à l'esprit. Et peut-être qu'on pourrait faire ça régulièrement. Commençons donc avec le premier sujet qui n'est pas vraiment une partie, mais qui est un truc que j'ai complètement zappé. Et qui pourtant était mais d'une importance évidente, les alarmes. Pour ce premier sujet, je vais vous mettre dans ma peau. Petit, j'ai grandi dans un village de campagne et sauf pour de rares occasions, j'étais la plupart du temps dans mon coin, dans les mêmes endroits. J'étais loin de la mairie du village, donc j'étais assez isolé. Un jour, je me motive le mercredi matin pour aller faire du vélo dans le coin et alors que je me balade, j'entends pour la première fois de ma vie ça. Je pense qu'il y a pas mal de gens que ça a marqué, ce truc-là. Et pour ceux qui ne le savent pas, peut-être parce qu'ils habitent dans un autre pays, en France, tous les premiers mercredis du mois, il y a une sirène qui se joue par la mairie. Cette alarme fait partie du système d'alerte et d'information aux populations, le SAIP, et la raison pour laquelle on l'entend tous les premiers mercredis du mois à midi, c'est pour vérifier tout simplement si la sirène fonctionne. Elle consiste en un signal d'une minute 41, néanmoins si le signal se répète 3 fois et qu'il finit par un son continu de 30 secondes, sachez que c'est le signe qu'il faut rejoindre un bâtiment le plus vite possible et allumer la radio parce qu'il y a potentiellement une catastrophe naturelle, des incidents technologiques ou d'autres trucs de ce genre qui arrivent. Donc faites attention. Et je trouve que cette sirène fait très bien son job parce que c'est un des sons les plus instantanément effrayants que je connaisse. Je sais, parce que dans mon entourage c'était aussi le cas, que beaucoup de gens ont été marqués par ce simple son, ne serait-ce que par son utilisation dans des films d'horreur. Et j'avais vu de nombreux commentaires sur TikTok de gens qui habitent dans d'autres pays qui disent « Mais vous êtes complètement zinzin les Français de mettre ça tous les mercredis du mois, c'est un truc de fou !» Et si vous voulez encore plus vous chier dessus, il existe un autre type d'alarme qui est pour tout ce qui est rupture de barrage et autres catastrophes hydrauliques. Elle sonne comme ça. Et
et je trouve ça tout aussi terrifiant. Mais il n'y a pas que ces alarmes-là, il y a plein d'alertes et d'alarmes et de systèmes d'alerte qui, bah, naturellement, provoquent le sentiment d'alerte. Il y a des trucs qui marquent des gens et des bruits que beaucoup de gens n'arrivent pas à écouter. Et ça, c'est les alertes enlèvement. Les alertes enlèvement, c'est un truc qui existe depuis seulement 2006 en France et qui s'inspire en fait de ce qu'on appelle l'Amber Alert en Amérique. C'est ce dispositif qui fait que dans les médias, à n'importe quel moment, tu peux couper un programme pour dire « Quelqu'un a été enlevé ». Voici les informations. Et ben en France, ça arrive régulièrement que des diffusions soient coupées. Et moi, je me souviens particulièrement à la radio. Moi, je me souviens que la radio, juste, il baissait le son et il parlait par-dessus. Et c'était particulièrement marquant, je trouve, comme moment. Et je m'en souviens encore et ça m'avait bien fait flipper quand j'étais gosse. Vous avez très probablement vu des vidéos passer hein, sur TikTok, sur des Reels, etc. De gens qui parlent des différents dispositifs d'alarme dans le monde. Et la plupart de ces compilations TikTok sont fake. La plupart de ces alarmes qui sont utilisées et qui sont présentées sont fausses. Vous pouvez voir les corrections dans des super vidéos qui font des compilations justes. Et je vais pas en jouer des masses parce qu'il y en a qui sont vraiment terrifiants. Genre celle-là. Il est possible qu'elle vous dise quelque chose parce qu'elle a été utilisée énormément dans les vidéos autour de la créature Siren Head il y a quelques années. Ou alors celle-là. Ce son que vous entendez actuellement, c'est celui qui est émis par l'EAS, ou l'Emergency Alert System aux États-Unis, un programme qui permet notamment d'arrêter n'importe quel programme pour avertir la population de diverses catastrophes ou situations de danger. Ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que les petites fréquences qui sont jouées au tout début, elles sont complètement illégales à jouer. Je suis actuellement du coup un criminel aux États-Unis, même si en soi cette loi n'est pas vraiment appliquée pour les vidéos sur Internet. Toutes ces alarmes signifient que, concrètement, si tu l'entends, t'es dans l'énorme merde. Et c'est normal que ce soit designé pour faire peur. Et à propos de ça, il y a une anecdote que je trouve complètement folle. On sort complètement du sujet. Je vous ai dit, hein, le format. Le 13 janvier 2018, à Hawaï, pendant 38 minutes, des gens ont reçu une alerte sur leur iPhone et pensaient sincèrement qu'ils allaient mourir d'une frappe d'une bombe nucléaire. C'est-à-dire qu'ils ont eu tous une notification, il y a eu également des alertes dans tous les médias. Faut comprendre qu'à l'époque, on était au pic des tensions entre la Corée du Nord et les USA. Une menace de missile était donc tout à fait plausible. Si vous vous demandez pourquoi il y a eu cette erreur à la base, eh bien c'est parce qu'un employé a lancé l'alerte à cause d'une erreur de communication dans un rapport, et je vous invite vraiment à vous renseigner sur tout le bordel qu'il y a eu, c'est à la fois très triste et très très drôle. 40 minutes. C'est terriblement long. Et c'est terrible comme sensation. Il y a des tonnes de vidéos de gens qui faisaient leurs adieux, des gens qui ont posté sur les réseaux sociaux des messages d'adieu en train d'expliquer que bah, ils allaient crever. Et ça a dû être horrible. Un jour, peut-être que j'en parlerai un peu plus en détail de ces trucs de fausses alertes et les conséquences que ça peut avoir. Parce que c'est assez zinzin. Hein. Voilà, c'est à peu près tout pour les alarmes. Maintenant, passons à la partie creepypasta. Sur la partie creepypasta, j'avais été assez exhaustif. C'est parce que moi, c'est les trucs que j'ai vus qui m'ont le plus marqué quand j'étais très jeune. Parce que j'ai beaucoup participé à la communauté creepypasta, et ce très tôt, quand j'avais seulement 11 ans. On en avait mentionné des très connus. Hein. Mouse, Slenderman, Herobrine, Ben Drown, Le Rake, des épisodes perdus, tout ça, tout ça. Il y en a une que j'ai pas mentionnée, parce que moi, elle m'avait pas marqué du tout, et que je la trouvais, ben, naze. C'est Eyeless Jack. C'est une creepypasta qui faisait partie d'une mouvance qui à l'époque était relativement détestée par la majorité des gens, l'horreur mascotte. Le concept à l'époque, c'est que tu prenais un personnage de la taille d'un ado fin, tu lui mets du sang dessus et un comportement de psychopathe entre gros gros guillemets, et c'est bon, t'as un personnage qui fait pas peur, mais qui est stylé. Il y en a plein que j'ai occulté et dont je parlerai même pas ici. Par contre, il y en a une que j'ai pas mentionnée et que vous m'avez demandé de mentionner, c'est Eyeless Jack. La raison pour laquelle j'en ai pas parlé, c'est que l'histoire est terriblement mal écrite. En réalité, il y a plusieurs histoires qui se battent pour être l'histoire originale, mais en réalité, il y en a une qui est plus importante que les autres. Mais si j'en parle, c'est que j'ai négligé la composante la plus importante de ces histoires, l'image. Et il faut pas négliger l'image, parce que c'est la raison pour laquelle la creepypasta Jeff the Killer est aussi effrayante pour certaines personnes. L'histoire est terriblement mauvaise. Par contre, cette image, elle vous marque. Et ben, pour Eyeless Jack, il y a une image que je trouve franchement très efficace. La voici. Pour le contexte, ce personnage-là, c'est un tueur qui volerait vos organes.
C'est une image qui est de base apparue anonymement sur internet et qui a ensuite été utilisée pendant des années. Je la trouve vraiment terrifiante et efficace. Une personne qui se penche devant ton visage pendant ton sommeil, ça fait tout de suite penser aux paralysies du sommeil et cette image est vraiment efficace. Malgré des Photoshop assez évidents et une histoire vraiment pas ouf, je comprends que ça vous ait marqué. Amenons d'ailleurs un nouveau segment qu'on va détailler un peu plus tard. D'où vient cette image ? Eh bien, il s'agit de l'utilisateur Pirate Cachou sur Twitter. Bravo à lui, hein. En 2020, il a été pour la première fois crédité pour son travail et il a gagné strictement 0€ sur tout le merch qui a pu être réalisé sur cette histoire. Je me suis dit, un truc que j'ai pas mentionné, c'est les vidéos top sur YouTube de Creepypasta. Les vidéos de Top 10 et de Petit Suisse sont revenues tellement de fois dans les commentaires de l'iceberg. Ces deux vidéos, bah, je les ai vues à l'époque et je les ai pas trop aimées. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de tendresse pour celle-ci, mais j'avoue que le montage des deux a beaucoup vieilli. La sélection de Creepypasta est pas hyper pertinente et surtout, il y a plein de petites erreurs qu'à l'époque je remarquais suffisamment pour que je trouve ça chiant. L'objectif c'était de se faire peur et pas d'être précis, ça je l'ai compris plus tard. On arrête donc la partie creepypasta pour passer maintenant à la partie DVD et film. J'aime en général pas trop parler de films et de trucs qui vous ont terrifié quand vous étiez petit, quand vous avez vu des films, parce que parfois je trouve que c'est un peu facile, on a tous vu des films qu'on n'aurait pas dû voir. C'est aussi parce que moi j'ai vu peu de films dans ma vie et du coup ça me touche moins. Mais évidemment, il y a des trucs que je peux pas ne pas mentionner. Dans les trucs qui sont surprenants, c'est les trucs qui se passent avant un film, quand tu regardes un DVD. Ça, vous avez été tellement nombreux à le mentionner. Le logo THX. Je vais même pas développer, j'ai rien d'autre à dire. Il y a des gens qui sont terrifiés par le logo THX et il y en a pas mal qui m'ont envoyé des DM pour m'en parler. En vrai, je peux comprendre le deep note, donc le son qu'on peut entendre, commence très dissonant, il a un côté très très grand et le début du son fait un peu flipper. Mis à part ça, je vois pas trop. Un truc, moi par contre, qui m'a beaucoup plus marqué dans les films et les DVD en général, c'est la campagne anti-piratage que tout le monde connaît. Je sais pas pourquoi j'ai oublié de le mettre, je pensais sincèrement que je l'avais mis à la base, mais oui, cette campagne est très très forte pour mettre un sentiment de stress chez des jeunes enfants un peu impressionnables. Aujourd'hui, c'est évidemment ridicule et j'aimerais vous raconter l'anecdote selon laquelle la musique de cette pub est en fait une musique qui a été volée, mais en réalité c'est une fake news. En réalité, c'est deux histoires qui ont été mélangées. Ça faisait référence à un autre spot publicitaire qui datait de bien avant, mais Dieu sait que j'aurais aimé que ce soit réel. Un truc un peu mystique, c'est la moissonneuse batteuse dans Cars. Je vais pas donner plus d'infos, enfin vous m'avez tous dit que ça vous avait terrifié. Cars était un de mes films préférés quand j'étais petit et moi personnellement c'est pas le truc qui m'a le plus touché, quoi. J'ai aussi oublié de mentionner, et j'aurais dû, tous les films Ghibli. Et surtout un truc qui est revenu et qui revient tout le temps quand je cherche sur internet. Un truc qui vraiment a marqué les gosses, et ça pour le coup on peut parler un peu plus en détail. Dans Le Voyage de Chihiro, il y a plein de choses qui peuvent terrifier un enfant. Il y a des designs vraiment terrifiants, des concepts vraiment terrifiants. Ces bébés, c'est terrible. Ce personnage-là, il est trop stylé, mais il est aussi assez terrifiant et il a surtout une identité vocale assez terrifiante. Mais le truc qui revient tout le temps, bah, c'est le début du film, quand les parents sont transformés en cochons. J'ai pas encore vu le film en entier, parce que quand j'étais petit, j'ai voulu regarder Le Voyage de Chihiro et j'ai arrêté là, parce que ça m'a terrorisé. Ça m'a terroriser ce moment. Et au début, je comprenais pas pourquoi ce moment-là, plus que les autres. Et puis après, bah, ça fait sens. Qu'on te mette des personnages et des monstres qui font peur, c'est une chose. Et en vrai, ça aurait terrifié n'importe quelle personne. Et s'il y avait que ça, je suis sûr que le film serait quand même ressorti dans les listes des trucs qui ont le plus traumatisé des gosses. Mais s'attaquer à la seule source de sécurité d'un enfant, c'est-à-dire les parents, avec un truc aussi injuste et visuel, parce que vraiment la transformation en cochon, eh ben, elle est très visuelle, c'est pas juste un décès, c'est pas juste genre de la douleur ou ils ont disparu. Non, face à un truc aussi absurde, tu peux rien faire d'autre que d'être en détresse, comme est le personnage principal à ce moment-là. Un truc que j'ai oublié de mentionner, c'est le fait que ça vient au tout début du film. C'est peut-être aussi ça qui fait que ça a autant marqué les gens. Parce que tout connement, quand t'arrives à cette scène-là qui est quand même assez marquante, bah la plupart du temps, tu vas juste arrêter le film quand t'es un enfant. Ou alors continuer avec curiosité. Donc ça peut être la raison pour laquelle c'est l'élément du film qui ressort le plus. En plus, la mise en scène, elle est bien faite, elle est grotesque, c'est vraiment un truc particulièrement efficace. Et je comprends de ouf pourquoi ça revient tellement. En vrai, ça fait aussi que ce film, pour certaines personnes qui l'ont vu étant jeunes, est devenu un film préféré de leur enfance parce que ça les a introduits au concept de la peur et à des émotions fortes. Et c'est pour ça qu'il est aussi mémorable, ce film, pour un enfant. Voilà donc pour la partie DVD et film. Maintenant, bah, passons à la partie jeux vidéo. Il y a tellement de trucs que j'ai pas mentionné dans la partie jeux vidéo. Il y a un truc en particulier qui... Je sais même pas pourquoi ça m'est pas venu à l'esprit, alors que moi-même, ça m'a marqué de fou. Mais les messages d'erreur de console, pourquoi j'y ai pas pensé ? Ma
génération a particulièrement grandi avec la PlayStation 2, la Wii, la GameCube et la Xbox. Je vais surtout me focaliser sur la PlayStation 2 et la Wii parce que je les connais mieux. Je vais pas parler de consoles que j'ai pas connues, genre par exemple j'ai jamais touché à une GameCube. Donc même si les erreurs de la GameCube ont l'air assez stressantes, bah j'aurais pas grand chose à dire et je pourrais pas donner d'anecdotes personnelles. On peut parler du Red Ring of Death de la Xbox 360. Pour ceux qui ne savent pas, la Xbox 360 avait d'énormes problèmes de malfonction lorsqu'elle a été lancée vers la fin des années 2000. Et ces systèmes de malfonction apparaissaient dans les premières versions de la console sous la forme de 4 LED qui étaient autour du bouton Power et qui pouvaient parfois s'afficher en rouge. Et lorsque tu avais ces 3 LED qui s'affichaient, ça voulait dire que ta console était complètement détruite et qu'il n'y avait aucune chance qu'elle soit réparée. Et il y a tellement de gens qui ont été marqués négativement par cette soudaine apparition du Red Ring of Death qui a marqué la fin de leur console. Mais encore une fois, je trouve pas que c'est marquant parce que ça fait peur, c'est juste marquant parce que ça fait chier, tu vois. Et là par contre, on commence à rentrer dans les trucs que moi j'ai connus. La PlayStation 2. Pour vous mettre à ma place, imaginez moi enfant, je me lève vers genre 5h, 5h30 du matin pour jouer un peu plus tôt à la PlayStation 2 afin de jouer au jeu Cars qui était incroyable d'ailleurs. Il n'y a pas encore de lumière dehors, je suis dans le noir complet, personne n'est réveillé dans la maison. Et là il me prend l'envie de jouer à un autre jeu. J'en saisis un auquel je n'avais jamais joué, un qui devait probablement appartenir à un de mes frères ou alors à mon père. Je le mets dans la console, je l'allume et il s'affiche ça. L'ambiance elle vire au rouge, alors que déjà le menu de la PlayStation 2 je le trouvais un peu angoissant, il a un côté éthéré et un peu vide. Pour un enfant c'est un peu déroutant, tu vois, déjà cette ambiance là. Dehors il faisait encore nuit et d'un coup avoir du rouge comme ça qui illumine toute la pièce dans laquelle j'étais à une heure où j'allume aucune lumière parce que j'ai pas envie de réveiller mes parents parce que je suis pas censé être réveillé et un message un peu menaçant qui te dit concrètement que t'as fait de la merde, je sais pas, ça m'a marqué, ça m'a vraiment fait peur. Alors que en vrai pas tant, c'est juste aussi le contexte, tu vois. Maintenant, un truc nettement plus terrifiant. Sur la Wii, les messages d'erreur étaient assez osef. En général, ils causaient de la peur juste parce qu'ils t'annonçaient qu'il y avait un problème sévère, soit avec ton hardware, soit juste avec le CD de ton jeu. C'était souvent un peu la méga flip quand tu voyais que ton disque ne fonctionnait pas et que t'avais l'impression d'avoir perdu donc tout ton jeu. C'était vraiment assez flippant. Maintenant, est-ce que vous connaissez le son de la mort ? C'est le nom qu'on lui a donné, c'est le The Sound of Death, The Horn of Death aussi. T'es en train de jouer tranquillement. Il y a quelque chose qui merde avec ton CD ou qui merde avec ta console. Et en plein milieu de ta partie, il se passe ça. Ça m'est déjà arrivé. Et c'est terrifiant, parce que c'est véritablement un jumpscare, surtout que c'est très fort. En gros, c'est un réflexe de survie de la console qui laisse le canal vidéo et audio seulement et qui fige tout dans l'espace. En vrai, le son qu'on entend, c'est juste la répétition d'une petite portion de l'audio qui venait de se jouer. La Wii fige l'intégralité de son fonctionnement pour ne pas abîmer le hardware. Par contre, lorsque t'es du point de vue du joueur, ça fait peur. Ça fait vraiment peur parce que ça peut arriver à n'importe quel moment. Bon, là, après, on arrive aux trucs qui sont un peu moins assumables à dire en public, mais moi, quand j'étais petit, les menus et les écrans d'accueil tout court des consoles me terrorisaient un peu. Je trouve que la PlayStation 2 était un peu bizarre. Je trouvais l'ambiance un peu menaçante. Je sais pas, il y avait un côté un peu éthéré, tu savais pas où c'était. Et là, oui, je sais pas pourquoi il y avait un côté où j'osais pas jouer avec les chaînes, j'osais pas aller autre part, ça me faisait peur, il y avait une ambiance que... En fait, je ne comprenais pas ce qui se passait. Et du coup, ça me faisait peur. Mais bon, ça, c'est que moi, je pense. C'est que moi. Enfin, vous me dites. Après, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de la Xbox première du nom. En termes d'horreur, il y avait un truc un peu bizarre, apparemment, avec la Xbox première du nom. I left my Xbox on for a few minutes. I went to the toilet. And I heard noises. I came back and my Xbox seems to be talking. You know, there's no one around to be... Sinon, pour terminer ce passage sur les consoles de jeux, j'aimerais savoir si je suis pas seul dans ce cas. Mais quand j'étais petit, sur ma Nintendo DS, j'ai déjà appuyé sur le bouton formater, par curiosité. Bah vous savez ce qui se passe du coup ? J'ai perdu toutes mes données. Et je voulais savoir si j'étais la seule personne, voilà. Dites-le moi. Il y a également tout un pan des jeux vidéo dont j'ai pas trop parlé, c'est les petits jeux d'horreur. J'ai parlé des plus importants, hein, Slender, ce genre de trucs. Mais les petits jeux d'horreur indépendants auxquels jouaient souvent les Let's Players à l'époque,
ils ont une part quand même dans nos souvenirs, et je suis sûr que certains mots et certaines images vont peut-être vous ramener des souvenirs si vous consommiez beaucoup ces vidéos à l'époque. Des petits trucs tout simples, genre The Corridor, Maere, Maze, One Late Night, tous les jeux autour de The Grudge, tous les jeux autour de DI, tous ces petits jeux à la con qui nous ont marqués, ça aussi, j'ai oublié d'en parler. T'as aussi des jeux qui étaient peut-être un peu trop niche ou alors un peu trop récents pour que j'en parle, pour que ce soit vraiment des souvenirs d'enfance. Mais en réalité, ma génération est jeune, du coup, en fait, les souvenirs d'enfance dépendent vraiment de quand on est né dans la génération. Donc des trucs comme Doki Doki Literature Club, j'en ai pas parlé, mais c'est clair que ça a marqué des tonnes de gens, ça. Si par miracle vous n'en avez pas encore entendu parler, je vous conseille d'y jouer à l'aveugle, c'est assez déroutant comme expérience. J'ai pas assez parlé de Amnesia de Dark Descent, j'ai pas parlé de l'excellent jeu I'm Scared de Crooked Man. Il y a plein de jeux hyper intéressants, mais moi il y a un petit jeu indépendant gratuit qui m'a beaucoup plus marqué que le reste, alors qu'en vrai il est pas spécialement incroyable. Mais je trouve que celui-ci il a une aura particulièrement menaçante, et peut-être que j'ai vu des gameplays à un âge où j'étais peut-être un peu trop jeune pour les voir. Je parle du jeu The Static Speaks My Name. C'est un jeu qui parle de beaucoup de trucs, qui parle de santé mentale, de c'est pas un jeu très marrant, mais il a une ambiance hyper menaçante. Il se joue extrêmement rapidement, il y a une sorte d'ironie, d'humour un peu bizarre dans le jeu. Ça prend des tournants tellement peu évidents. Il y a un sound design qui est particulièrement bien fait pour te faire te sentir enfermé. Assez marquant. En vrai, le jeu là, il est marquant. Je pourrais aussi mentionner mais tellement de trucs à propos de jeux vidéo qui n'étaient pas censés faire peur à la base, mais qui vous ont fait peur quand même. On m'a parlé des Sims 2 sur la DS, de certains jeux éducatifs pour enfants, notamment sur la VTech. On m'en a parlé pendant un live que j'avais fait pour récolter un peu vos anecdotes. Mais surtout, il y a l'ambiance du mode zombie de Call of Duty qui est beaucoup, beaucoup revenu, qui en effet était peut-être un peu plus dark et moins évidente, surtout qu'il y avait beaucoup de gens très 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 jeunes qui jouaient à Call of Duty très très tôt, j'en ai fait partie. Bref, ainsi on termine un peu la partie jeux vidéo pour passer directement à la partie télévision. Moi, j'ai pas regardé la télévision quand j'étais petit. Du coup, j'en ai pas vraiment mis beaucoup dans l'iceberg parce que rien me parlait vraiment, en fait. La télé, ça me parle pas, mais à vous, ça vous parle beaucoup. Il y a des trucs qui sont revenus tout le temps dans les commentaires et qu'il était donc du coup important de mentionner. D'abord, il y a toute cette catégorie des PSAs ou des messages d'intérêt général en français. Mais ça, c'est d'une évidence complète. Évidemment, un message t'apprenant qu'il faut pas prendre de drogue va parfois avoir des imageries un peu vénères. Évidemment, les campagnes de prévention de sécurité routière sont particulièrement violentes, notamment celles qui tournent autour de l'alcoolisme. Il y a des gens qui ont pour boulot de trouver des images très fortes pour t'expliquer à quel point c'est grave, et c'est des gens qui font un taf qui est important, je trouve. Et au vu du nombre de gens qui m'ont mentionné à quel point ils ont été terrorisés par à chaque fois des spots différents, je me dis qu'ils ont très bien fait leur taf. Parce que moi, même si j'ai pas regardé la télévision, j'en ai vu des PSAs, et j'en ai vu que ce soit à travers des interventions à l'école, notamment pour l'ASSR, ou aussi pour passer du secourisme. Il y a également les pubs pour les accidents au travail qui sont particulièrement vénères. Et du coup, ensuite, à la télévision, il y a tous les programmes, toutes les séries télévisées qui ont d'un coup mentionné des sujets plus dark, et ça a marqué beaucoup de gens. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, c'était Les Malheurs de Sophie, qui allait un peu loin dans ses dépictions parfois, qui m'a pas mal marqué quand même. On m'a aussi, mais ça n'a rien à voir, hein, on m'a aussi beaucoup parlé des têtes à claques. Moi, j'ai jamais vraiment trop suivi, jamais trouvé ça non plus très très marrant, mais les designs, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que quand ils étaient petits, ça les mettait très mal à l'aise. En vrai, je vois. Mais sinon, et encore une fois, voyez à quel point je brush les sujets, hein. Vous me dites si ça vous intéresse en vrai ce genre de contenu. Moi, ça me paraît intéressant d'archiver un peu les trucs que vous m'avez demandé de mettre. Mais il y a tous ces documentaires paranormaux et tout à la télévision dont vous m'avez tous parlé. Et les deux programmes les plus mentionnés, c'était les 30 histoires les plus spectaculaires, les plus extraordinaires. À chaque fois, ça changeait selon les brouillards de la chaîne YouTube qui les diffuse. Et également la soirée de l'étrange. En soi, ils ont fait un bon taf pour fasciner les gens vers le monde de l'étrange. Ce pourquoi ils n'ont pas vraiment fait un bon taf, c'est peut-être sur la désinformation, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont évidemment faux, qui sont présentés de manière fausse avec des infos fausses, et c'est un peu frustrant parfois. Peut-être aussi que je le regarde avec un œil de quelqu'un qui maintenant a des infos en plus, et que aussi le principe de ces émissions, c'est juste de rêver un peu et de stimuler son imagination. Ces introductions au paranormal pour beaucoup de gens, ça a beaucoup marqué. Et si tu tombes un peu sur une de ces émissions tard le soir, il y a moyen que tu t'en souviennes pendant le restant de tes jours. J'aimerais terminer la partie télévision en parlant d'un dernier truc auquel j'ai pensé en faisant le montage de la vidéo. Ces symboles.
Ces indications de limite d'âge, pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, c'était un énorme facteur de stress. Je peux pas compter le nombre de fois où j'ai regardé un truc avec écrit moins 12, moins 10, parfois moins 16, et où le simple fait que je regardais un truc un peu interdit m'a juste foutu un énorme stress. C'était encore pire lorsque c'était les rares fois où je regardais un truc sans l'autorisation de mes parents. Maintenant, on va rentrer dans la partie que moi je trouve la plus cool, c'est la partie internet. Je sais que les creepypastas en font partie, théoriquement, mais bon. Un truc que j'ai très rapidement mentionné, mais que après j'ai mis de côté, c'est les screamers. Parce qu'on a tous vu un screamer. On a tous vu un de ces jumpscares, que ce soit pour les pubs café, que ce soit juste pour faire rire, que ce soit la souricière, le maze game. Tout ça, c'est pas très important en vrai. Par contre, moi, un truc qui depuis quelques temps me fascine, c'est les images de screamers. Les images de screamers, elles ont une aura particulière sur internet. Celle-là, celle-là, celle-là aussi. Et là, on va jouer à mon jeu préféré. Elles viennent d'où ? Genre par exemple cette image, The Screamer, vous l'avez forcément vu dans des screamers ou des jeux d'horreur. Elle a été utilisée notamment dans des gifs, des vidéos, etc. juste pour surprendre des gens. Il s'agit d'une version déformée et éditée d'une image stock Getty Images de 1998 par Gandhi Vazan, qui était inspirée à la base du Creed Munch. L'image a ensuite été éditée par un mec qui s'appelle J. Bill McCarthy afin de créer son propre screamer, What's Wrong With This Picture, qui date de 2002 et qui se propageait par mail. Vous pouvez retrouver une archive de ce à quoi ça ressemblait sur YouTube, c'est ce à quoi vous pouvez vous attendre, hein. On met une image où il n'y a rien de particulier, on dit hey, trouve ce qu'il y a d'étrange avec cette image. Et en réalité, ben, il n'y a rien, il y a juste un screamer à un moment, parce que ça attire ton attention et elle est supprimée très rapidement. Il y a aussi cette image qui s'appelle Make Me Cute, qui est une image qui est tournée dans des screamers, des channels de discussion et qui est une des images creepy d'internet les plus mémorables et les plus importantes. Elle est devenue particulièrement célèbre en Occident à cause d'une page Facebook en 2015 du nom de Aeno Barbus Inside. Il y a des rumeurs qui disaient à l'époque que cette page envoyait à des utilisateurs des coordonnées incompréhensibles, des phrases dans des langues inconnues, du gore extrême et également, dans certains cas, de la pédophilie. Donc ouais, c'est assez sérieux et apparemment il y a eu des cas de cyberharcèlement, mais vis-à-vis de tout ce qui est envoi de contenu véritablement illégaux, semblerait que ce soit juste une rumeur. J'ai eu aucune confirmation vis-à-vis de ça. Mais maintenant, rien n'est prouvable depuis sa suppression. Donc du coup, cette image, c'était la photo de profil de ce compte, de Aeno Barbus Inside. Et depuis, c'est une image qui est devenue hyper utilisée, notamment aujourd'hui, elle est encore utilisée sur Roblox, de ce que j'ai vu, mais elle a été utilisée tellement de fois dans des screamers, des jeux d'horreur. Et elle est en fait basée sur cette image, datant d'environ 2005. On ne sait pas vraiment d'où elle vient. Il s'agirait d'une vieille poupée japonaise un peu abandonnée. Dans un thread datant de 2007 sur le site 2Channel, l'ancêtre japonais de 4chan, un thread a été réalisé avec un concours de Photoshop dont l'objectif était de rendre plus mignonne cette photo, donc celle du screamer, et c'est à ce jour la plus vieille apparition de cette image que l'on connaisse sur internet. Encore aujourd'hui, personne ne sait qui a vraiment créé cette image, mais également personne ne sait d'où viennent ses yeux et cette bouche, on sait juste que c'est basé sur la photo de la poupée. C'est devenu un massif meme sur 2Channel avant de devenir un membre du paysage horrifique international. Je pourrais continuer longtemps et vous parler de tellement d'images de screamer, notamment celle-ci qui est très connue, hein, The Grinning Man, qui est en fait basée sur une image d'un roux qui sourit. Mais je pense qu'à ce niveau-là, je vous ai déjà perdu. Si un jour vous voulez que je fasse une vidéo spéciale, on trouve l'origine des images qui vous ont terrifié quand vous étiez petit. En vrai, je suis chaud. On sait toujours pas d'où vient cette image, hein, celle de Jeff the Killer. On sait toujours pas. Voilà. Il y a notamment Moodhard de la chaîne Some Ordinary Gamers qui propose 10 000 dollars à quiconque arrivera à trouver cette image. Donc, si vous avez du temps, pourquoi pas ? Pour continuer sur la partie internet, il y a tout ce qui est vidéo et évidemment, il y a des trucs que j'ai pas mentionnés. Alors, j'ai pas mentionné tellement de vidéos gore et extrêmes connues du web parce que bah, je voyais pas trop l'intérêt d'en mentionner beaucoup. Parce que je commence à prendre conscience de l'effet stressant du fait qu'il faut pas donner envie aux gens d'aller regarder des machins. Il y a un truc que je me sens ok de mentionner et que j'avais pas mentionné dans l'iceberg parce que je me suis dit que c'était bateau et que tout le monde s'y attendait. Et c'est principalement parce que tout le monde sait ce qu'il y a dans cette vidéo et que vraiment ça sert à rien d'aller la regarder. C'est Two Girls One Cup. Évidemment, je l'ai pas mentionné. Tout le monde sait ce que c'est. Et c'est juste dégueu. Voilà, j'avais pas envie d'en parler quoi. Quand j'avais parlé de Bloody Mary, j'aurais pu parler d'autres trends et de challenges vis-à-vis de l'horreur et du paranormal qui se propageaient sur Internet, qui étaient plus récents. Notamment, j'aurais pu parler du Charlie Challenge. Moi, quand ça a popé, j'étais au collège. Pour ceux qui s'en souviennent pas, tu posais un crayon puis un autre crayon en équilibre au milieu. C'était posé sur une feuille quadrillée avec un oui ou un non. Tu posais une question au démon Charlie et certaines personnes voyaient le crayon tourner d'un coup et pointer une des réponses. En réalité, c'était tout le temps du vent ou le souffle des gens qui posaient la question. C'est vraiment tout le temps. Et c'est pas faute d'avoir essayé. J'aurais pu aussi mentionner d'autres trucs vraiment pas marrants.
Et là par contre, c'est un truc qu'un jour je mentionnerai, c'est tout ce qui est messagerie aléatoire, RandoChat, Coco.fr, tous ces sites d'ultra merde qui possèdent une quantité astronomique de voilà. Dans un monde idéal, personne ne va sur ces sites et ils ferment. Parce qu'il y a énormément de problèmes avec ces sites et énormément de problèmes de modération et de délinquance. Et je voulais terminer de manière toute simple sur un sujet que j'ai complètement survolé et qui pourtant me fascine depuis quelques temps et qu'un jour je mentionnerai. C'est les jeux Flash. Les jeux Flash aujourd'hui, c'est quasi mort. En effet, Flash a arrêté de fonctionner, mais il y a toujours des systèmes qui permettent de faire jouer des jeux Flash anciens sur Internet. Il y a aussi des jeux qui sont codés en HTML5, je crois, qui du coup fonctionnent encore et qui peuvent encore être développés. Mais concrètement, tout ce pan du gaming des années 2000 est en train de disparaître. Et en fait, ce qui était fascinant avec les jeux Flash, c'est que les jeux Flash qui fonctionnaient, c'était des jeux qui étaient créés par des petits créateurs. Adobe Flash, c'était accessible à tout le monde, ça rendait le développement accessible à tout le monde. Et autant je trouve ça trop cool, autant avec ma chaîne, vous savez que quand un truc est accessible à tout le monde, c'est aussi accessible aux gens un peu tordus. Que ce soit des simulations de torture qui peuvent parfois aller jusqu'à l'extrême gore, que ce soit des screamers bien vénères, ou alors des jeux un peu racoleurs où tu joues le chirurgien avec des personnages de dessin animé, il y a énormément de jeux Flash qui vous ont marqué et vous me l'avez bien fait savoir. Il y a également des jeux Flash qui ont été réalisés et qui étaient faits pour capitaliser sur des véritables tueries de masse dans les écoles. C'est arrivé plusieurs fois et mon dieu qu'à chaque fois c'était fait par des gens légitimement dangereux qui sont révélés au-delà d'être des edgelords, être des véritables dangers. Et toute la communauté jeux Flash, ça a inspiré donc la communauté également Newgrounds et la quasi-totalité des parodies horribles de jeux vidéo etc. en animation que j'ai pu montrer dans la première partie, donc dans l'iceberg, ont pour origine la culture Newgrounds, cette culture un peu extrême du début des années 2000 où il n'y avait pas encore vraiment de limite. Et ça a amené tellement de créateurs véritablement tordus à percer, des contenus qui ne sont pas spécialement les plus graves à regarder, mais qui, quand tu es jeune, sont un peu extrêmes. Je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Pour moi, c'était juste un petit bol de nostalgie et de petits trucs sympas. Dites-moi ce que vous en pensez sincèrement, parce que je trouve que, évidemment, là, je vais vraiment pas en détail sur les sujets et ça ressemble plus à du listage. Moi, ça m'a fait plaisir. C'était une toute petite vidéo, voilà, en attendant le Finding 100 et en attendant aussi la sortie de l'album. On verra ce que j'arriverai à en faire au montage, hein. Peut-être que ça sortira pas, peut-être que ça sortira. Évidemment, là, j'ai mentionné surtout des petits trucs, des trucs un peu anecdotiques, des trucs qui nous ont fait peur, soit parce que c'était logique, soit à cause de petits détails anecdotiques. Et je trouve que ces expériences d'horreur jeunes, elles sont hyper importantes pour la construction, et qu'il y a beaucoup de trucs que j'ai pu mentionner notamment dans l'iceberg, qui sur le moment, je dis, c'est terrifiant, mais qui en vrai sont hyper importants pour le développement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi vos retours. Et à la prochaine. Et si ce genre de vidéo un peu plus posée, simple, avec un montage plus simple et moins de détails vous plaît, ben dites-moi, parce que c'est des vidéos qui sont un peu plus simples à faire et que je peux faire entre quelques findings. Bisous à vous, à la prochaine.